Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crèmes Mamouchka. Donc aujourd'hui, on va faire une tarte avec un pliage spécial. Voilà. Alors, je voulais redessiner sur mon sous-main. J'ai changé de sous-main justement pour prendre où il y a plus de grandeur pour pouvoir écrire faire la carte. Donc là, j'ai mis ma carte sur mon sous-main. La carte est en vrai, on va dire, hein, ça fait 30 sur 15 cm. Alors je viens de recommencer la vidéo, donc je vous avais écrit sur le dessin. Alors avec mon stylo rouge, je vais repasser sur les rouges qui sont là. Ce sera la découpe. Donc je vais marquer, en plein milieu ici. Couper. Voilà, rouge c'est coupé. Il faut bien faire attention. Parce que je vais prendre du noir. Là, je vais vous montrer tout ce que je dessine en noir. C'est le rebord. Hein. Bon, je fais pas avec une règle, je fais à la main. Voilà. Tout ce qui est en noir, parce que ça sera plus. Vraiment, on verra mieux. Donc voilà, ma carte, c'est ça. C'est. Hop. C'est le noir. Là, on voit mieux que. Voilà. Donc, mon bleu, tout ce qui est bleu, c'est du pliage. Voilà. Alors, le pliage, moi, j'avais fait en bas, je vais faire en haut, puis c'est tout. Donc, il y a, on plie déjà en premier à 5, on va plier à 10, on va replier à 20 et on va plier à 25. Ensuite, dans la première partie, ici, on plie à 2,5. Ici, de chaque côté. Ici, on plie à 2,5. 2,5, 2,5. Et on plie également ici à 2,5. Voilà. Alors, ce que j'ai pas écrit, ça reste la carte sans être pliée. Vous voyez, là, hop, c'est la carte sans être pliée. Que moi je l'ai plié dans mon exemple et puis réflexion faite, non, ça se plie pas, ça n'a pas besoin d'être plié, c'est pas gênant. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. En noir, on va mettre en noir des contours cartes. Voilà, de toute façon je vais essayer, je dis bien essayer parce que à chaque fois je le dis puis je le fais pas, reprendre mon blog en main et je vous mettrai le pliage de la carte et je mettrai le lien de la vidéo en même temps. Alors on va commencer. Ah oui, et puis j'ai dit deux autres papiers, c'est ça, j'étais en train de faire ça. Donc deux autres papiers qui font 15 cm puisque ma carte a fait 15 cm sur 6,5. Donc dans la couleur de base de votre papier, il en faut deux. Alors ça, c'est mon exemple. Ça, c'est ce que je vais garder sous le coude. Voilà. Le pliage, je vais vous expliquer. Et il faudra une bande aussi de... On va mettre dans le bon sens. Je crois qu'elle fait 2,5. C'est ça, il me semble. Oui, c'est ça, 2,5. J'ai oublié de le noter, ça, par contre. Hop. 2,5, c'est pas compliqué avec la règle. Alors ça fait 25 cm, 2,5 sur 25 cm. J'ai fait un pli à 5, j'ai fait un pli à 5,5 et j'ai fait un pli après. Alors attendez que je réfléchisse, ça fait 15,5 à 15,5 et à 16. Voilà, c'est ça. De toute façon, je vais le faire avec vous, hein, tout ça. Je vais préparer, je vais faire tout ce qui est pliure, coupe, découpe et tout avec vous. Ensuite, je ferai moi mon côté, décorer ma carte avec ce que j'ai envie de décorer. Donc, je vais me servir de cette collection qui s'appelle Fleurs Fantaisistes. Voilà, c'est sur la peinture. Voilà, je vais me servir de ceci. La carte est destinée pour l'anniversaire de mon beau-père qui est peintre amateur. Donc, c'est exactement pour lui cette carte. Donc,
je ferai après de mon côté la déco de la carte et je vous reviendrai pour vous expliquer comment je vais faire pour ce milieu-là qui fait 10 sur 10. Allez, on y va. Alors, j'ai pris ma carte, mon papier blanc. Donc, il vous faut quand même pas mal de papier blanc. Enfin, moi, je reste en papier blanc. Après, vous prenez le papier que vous voulez. Donc, je vais me ressortir un papier parce que je me suis pris plein de découpes, mais au bout d'un moment, ben, j'en ai plus. Donc, on y va. Alors, on y va, on y va. Donc, moi, je vais prendre le plioir. Vous prenez mon massicot. Vous pouvez prendre votre planche à rainurer. Je l'ai, hein, je m'en sers rarement en plus, mais bon. Je sais pas, j'ai l'habitude maintenant avec avec elle, donc voilà, bref. Alors, 30 sur 15. Mon papier est déjà découpé parce que je me suis servi de l'autre moitié pour faire mon exemple. Alors, on y va. Premier pliage. Attention, pliage, hein, parce que ça fait 5 cm. Alors là, je vais vous dézoomer un peu parce que vous n'allez pas voir là. Le truc en entier sera un dommage. Donc, ensuite, on plie à 10 cm. Pli. J'avais fait une bêtise. Voilà, on plie à 20. Et on plie à 25. Voilà. Donc là, c'est OK. On a fait nos plis, les bleus qui sont là, les grands bleus. Hein? Voilà. On a séparé notre carte dans la base où elle doit être séparée. La façon dont elle doit être séparée. Ensuite. On va. Alors, il y a deux possibilités. Moi, là, tout à l'heure, j'avais fait un truc qu'il ne faut pas faire, hein, déjà d'une. J'avais plié ici, ça ne sert à rien ce qu'on va couper là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre un crayon de papier. Hop, une règle. Voilà. Et on va mesurer 2,5 ici. On n'appuie pas trop fort, parce que de toute façon ça va être découpé par endroits, mais on n'appuie vraiment pas très fort. C'est juste pour savoir où on doit aller. Hein. Comme ça fait 2,5 cm, la carte elle ne se plie pas dans ce sens-là. Tout se plie dans le côté de 30. Hein. Donc 2,5 cm, on va faire un trait très fin. Alors, franchement très fin, j'ai taillé mon crayon dans ce but. Voilà, hop, vraiment léger. Hein. Vous pouvez faire ça ou alors si vous êtes si vous y arrivez sans et puis franchement. Balèze. Moi j'y arrive pas. J'ai essayé, hein, mais d'ailleurs j'en ai usé du papier. Alors j'ai dit que j'arrête un petit peu de couper à l'arrache, on va dire, comme ça, sans trop savoir où j'allais. Donc maintenant on reprend le plioir et dans le premier rectangle de 5 cm, on va aller jusqu'au trait. On va faire à 2,5 cm seulement jusqu'au trait qu'on vient de. En plioir. Hein. Jusqu'au trait. Donc voilà. C'est bon. Et on fait pareil de l'autre côté. Toujours en plioir. Donc je ne peux pas bouger. Alors bien sûr, nous on a sur nos plioirs, on a une petite bande au milieu là sur notre plioir, on a un petit motif ici qui détermine. À quel niveau on peut s'arrêter, c'est la moitié de la goutte, quoi. C'est là où il y a le curseur. Voilà.
Donc voilà, ça donne ceci. Vous voyez ici, c'est plié. Alors après, bon, si je prenais mon exemple comme ça, ça irait plus, ça serait plus simple au lieu de bouger tous les 5 minutes. Là. Donc le 5, on le laisse en entier. Après, on va à celui. Le 5, le 10. On va au niveau de la pliure du 10. Et on se met à 2,5. Voilà, vous mettez la pliure du 10 à 2,5. Voilà, comme ça, je suis sur 2,5. Et on plie. Je peux aller encore un petit peu. Voilà, ça c'est bon. Et pareil en bas. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Voilà. Alors, donc là, ça sera plus simple. Vous voyez, sur deux côtés déjà, on a deux pliures à 2,5. On fait pareil, on laisse. Donc là, on en met à 10. Donc ici, ça fait 5. 5, ça fait 10. 12,5, 17,5. Donc on ouvre ça. Donc on est à 17,5 parce qu'il ne faut pas se planter. Vérifie pour être sûr, hein, parce que donc 2,5 c'est bon, 5 ça fait ça c'est bon, 12,5 c'est ok, 12,5 et là 5, 5 cm c'est bon, et ça c'est 17,5, donc je me cale à 17,5. Je préfère vérifier deux fois que de recommencer. Donc toujours pli. Donc là, on plie, on laisse 5 cm et on plie jusqu'au trait. Voilà. Ensuite, on a le 2,5 qui est là. On a replié là. Je vous montrerai après plus près. Et au dernier, pareil, on va laisser 2,5. Pas bien, voilà, c'est mieux, et on plie encore à 2,5. Voilà, je peux agrandir un petit peu. Voilà, alors maintenant je vais venir vers vous. En principe, on a fait tout ce qui est pliage. On n'a plus besoin du massicot pour le moment, on en aura besoin après pour tout ce qui est. Découper le papier, mais ça c'est après. Alors je vous réexplique. Sur la base du côté de 30, on plie à 2,5. 2,5. Ça, donc ça, le 5 on l'a déjà fait, le 10 on l'a déjà fait. Alors on fait un pli à 2,5, on fait un pli à 12,5, on fait un pli à 17,5 et on fait un pli à 27,5. Je vous noterai tout. Soit directement. En vidéo, quand je ferai ma vidéo, je noterai les plis à combien il faut et je l'incrusterai sur ma vidéo. Ça sera peut-être beaucoup plus simple. Je vous mettrai tout ça comme il faut. Ensuite, on va enlever. Enfin, moi, j'enlève ça. Là, on va se servir du cutter et ma petite. On peut faire prendre le petit, c'est plus simple. Donc, le cutter, on part du premier 2,5 qui est ici, et on va jusque là. On laisse ce côté 5. Ah, je vous l'ai dit que ça allait être technique. Hein. On va couper 10 cm. On laisse 2,5 ici, et on s'arrête au 5. Donc, c'est parti. Donc là, 2, tac. Ouais, c'est ça, ça fait 10 cm. Voilà. Allez, il faut que ça soit comme ceci. Vraiment une légère ouverture. Là, à 2,5, on commence à couper et on s'arrête ici. Au 5 du milieu où il y a le carré de 10. Et il faut que ça fasse comme ceci. Voilà.
on coupe sur oui, c'est 10 cm, je viens de le dire, je suis bête. Oh là là. Alors on fait pareil sur les quatre côtés où il faut qu'on coupe les 10 cm. Hein. Donc je... Donc voilà. Les deux côtés. Comme ceci. Et on fait pareil par là. On coupe de ce niveau-là jusqu'au 5 qu'on laisse du centre. Voilà. Et pareil ici, voilà, c'est là jusqu'au centre. Voilà. Je vois pas très bien. Donc, de toute façon, c'est 10 cm. Voilà. On reprend ça, voilà, si besoin. Alors on y va. Là j'ai un petit peu. Mais c'est pas grave, ça va. Ça sera caché de toute façon. Alors, le pliage. Donc, le premier est en montagne. Donc on fait des deux côtés en même temps. Comme ceci. Le deuxième, bien sûr, il va descendre et lui va monter. Là, ça va pas être facile. Hein. Voilà, il suffit de pas y aller trop vite. On prend son temps. De toute façon, une fois que la carte elle sera commencé à être bien pliée, elle va se plier facilement. Hein. Donc ici, on monte. Voilà, ici, on descend. Donc là, ça se descend automatiquement, mais on va le remettre dans l'autre sens. Alors, le premier pliage à 2,5, c'est en montagne. Le deuxième est en vallée. Celui du milieu est en montagne. Les 2,5 là, ce sont en montagne. Celui du milieu, là, est en vallée. Hop, comme ceci. Les deux à côté, c'est en vallée. Et on reprend de l'autre côté pareil, on fait la même chose en vallée. On contrarie le papier en montagne parce que bien sûr quand on plie là ça va se plier, ça se plie dans le même sens, ce qui est tout à fait logique, mais lui on va le replier dans l'autre sens, ça pour une bonne ça permet aussi de plier le papier comme il faut. C'est juste un coup à prendre, puis après c'est bon, on s'en sort. Voilà, le pliage est comme ceci. Vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Et en pliant la carte, ça donne. Alors je disais avant que ma caméra me coupe parce que j'étais passé le temps. Donc je disais. Faire attention quand on plie la carte et qu'on appuie avec le... Ça m'a fait des petites traces là, mais bon, de toute façon, on va mettre du papier ici. Je vais vous expliquer ça après. Ensuite, notre base de carte est terminée. Maintenant, on va faire les deux petits côtés et la languette. Et après, chacun fait sa déco. Puis moi, je vous explique après ce qu'on va faire au centre. Alors, sur un autre papier blanc, on va prendre donc deux papiers. On va couper deux papiers de 15 cm sur 6,5. Donc, 6,5. 15 cm. Donc, on garde, ça peut servir pour des étiquettes. Hein. Mis sur 15 cm. Voilà. Et ensuite j'ai dit qu'il fallait du papier pour la languette de bah oui, t'es nounouille ma fille.
C'est pas grave. Tu aurais dû faire la languette avant. La base que j'ai, c'est pas gênant, peut servir après pour notre découpe. Donc je reprends une feuille A4, pardon, cherchez le mot. Donc 2,5. J'aurais dû commencer par ma languette en premier. En faisant 2,5, après on pouvait faire les languettes après. Hein, et j'ai coupé avant, j'ai pas pensé à la languette. C'est pas gênant, ça va me servir d'une base de carte. Hein, c'est pas grave. Oh là là. Alors maintenant on ne coupe plus pour la languette. Si on coupe pour la languette, il me faut 25 cm, j'ai dit. Ouais, c'est ça, 25. J'ai pas noté dessus. On va dire, allez, 25 sur 6,5. Donc, on coupe à 25. Voilà, maintenant, on enlève le couteau, et on va plier à 5 cm. On plie à 5,5 pour laisser l'épaisseur quand même à la carte. On plie à 15,5. Ouais, c'est ça, 15,5. On plie à 16. Et après, il nous reste le reste là. Donc là, c'est pas bien compliqué. On plie comme ceci. On plie tout simplement les côtés. Voilà. C'est la petite languette qui sera au niveau de la carte. Dessus, moi, je vais mettre l'âge de mon beau-père. Donc voilà, tout simplement comme ceci. Hop. On voit un peu la trace de la découpe. Il faut changer ma lame là. Donc voilà. Donc, ça sera comme ça avec une étiquette. Hein. On imagine que ça c'est une étiquette dessus. Et je vais aller faire ces chiffres d'anniversaire. Donc ça c'est bon. Et j'avais coupé mes deux papiers qui sont là. Donc là on a tout de la carte. Je vais préparer tous mes papiers qu'il faut pour décorer ma carte. Je vous reviens une fois que j'ai vraiment bien arrêté l'idée. Allez, à plus tard. Alors ça y est, me voilà, j'ai collé pas tout mais presque tous mes papiers. Voilà, j'ai mis du papier bleu nuit en dessous, vous voyez. Mais, je vais me dire, c'est dans les couleurs quand même un peu féminines, mais non, pourquoi? Je pense pas. Hein. Ça fait de la peinture, donc neutre et plus foncé. Là, j'ai pris, donc je vous ai montré tout à l'heure la collection, que je vais vous remontrer, que nous avons au catalogue à l'heure actuelle. Qui s'appelle Fleur Fantasy. Je vais y arriver. Fleur Fantasy. Donc c'est sur la peinture. Je vous ai mis. J'ai fait un haul. Je ne sais plus quand, où c'est dedans. Donc si c'est vraiment sur la peinture, on a des fleurs de dessiner. Hein, avec. Je viens de les voir en plus. Bon, les couleurs ne me plaisent pas beaucoup, mais bon. Voilà, c'est des fleurs. Là aussi, ce sont des fleurs. C'est celui qui m'attirait le plus. Celui-là. Et comme mon beau-père est peintre amateur, il fait des tableaux, il fait même des... Comment on appelle ça il fait aussi des... Comment dire Oh mince. Il expose, voilà, il fait des expositions. Donc, voilà. Donc bien sûr, cette carte, lui, est destinée. C'est pour son anniversaire, qui est dans quelques jours. Alors là, il me reste à poser
l'étiquette avec bon anniversaire, que j'aurais pu mettre en bleu, mais je l'ai mis en noir. Bon, c'est fait. Ouais, c'est pas grave. Les côtés, je ne les ai pas posés avec, sans vous. Je vous explique comment il faut faire. Et voilà, donc j'ai mis du papier uni et du papier plus foncé. Je ne sais plus ce qui est ici. C'est au pinceau, ça c'est sûr. C'est pas au couteau. C'est des pinceaux acryliques. Bon, je ne sais plus où est passé mon. Ah, là, là. Vous voyez, c'est celle-là que j'ai découpée là pour le coin avec les fleurs ici. Et sur les côtés, c'est j'ai pris deux feuilles donc pour faire ce coin-là. Ça, c'est mon petit coin. Voilà, il me reste ce côté-là. Donc, voilà. Et ça, c'est pour les papiers. Pour faire cette étiquette-là, je me suis servi de ce dies qui est ici et il vient de la collection celui-là, donc c'est impression naturelle. Voilà. Alors, je vais le ranger tout de suite, hein, comme ça, hop, c'est fait. Voilà, oui, parce que j'ai commencé à préparer aussi éventuellement des fleurs, pour quelques fleurs ici pour mettre. Puis non, je ne vais pas les mettre. Pour le souhait, j'ai choisi un bon anniversaire de ce kit que nous avons au catalogue. Souhait essentiel. Donc les papiers, nous l'avons au catalogue qui est jusqu'au mois d'avril. Souhait essentiel est également sur le catalogue. Le mini catalogue. Je me suis servi des poinçons impression naturelle qui se trouvent sur le catalogue annuel. J'ai pris les chiffres 84, je vais dire 87, je vais vieillir le pauvre. 84, hop, et sont nettoyés et rangés que j'ai embossé sur du papier. Hop, là c'est Alphabest, mais je ne sais plus si on l'a encore au catalogue. Je l'ai embossé sur un papier bleu comme ceci, de la même forme que cette étiquette-là. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, non? Ouais, je crois que c'est déjà pas mal. Donc, bien sûr, j'ai mis également mon papier sur mon étiquette qui est autour. Donc, pour coller les papiers sur mes bases... J'ai toujours enlevé 0,5 par exemple. Là, ça fait 10 sur 5. Le papier bleu fait 9,5 sur 4,5. Le papier design, il fait 8,5. J'ai une bêtise. Non, 9,5. Donc 9, pardon, 9 sur 4,5. Sur 4 même. Oui, j'enlève 0,5 à chaque fois. J'ai fait ça sur tout ça et sur ça. Donc, je vais vous expliquer comment on colle ce côté-là, ou l'autre, hein, comme vous voulez. C'est pas compliqué. On met le papier comme ceci. Hop. À ras. Vous voyez, on le met à ras de la carte. Donc, je ne vais pas... Attends, pousse-toi, toi. Je peux le coller comme ça. Donc il ne faut pas dépasser. Hein. C'est beaucoup plus simple à faire comme ça. Ou avec de la colle. Hein, ce qui... Alors je vais me mettre de façon à bien voir. Donc, ça risque d'être une longue vidéo parce que. Les explications sont peut-être pas faciles. Voilà. Pardon. Et voilà. Un côté de fait. On aurait pu coller aussi là, sur le côté. Donc, on peut coller ici, hein, éventuellement. Je ne l'ai pas fait là. Et si ça gêne, je peux coller un petit peu, je peux mettre un petit point de colle. Ah,
Voilà, comme ça, ça tiendra un peu mieux. Je n'ai pas pensé, oui. Donc, on va coller là, au signe. Et là, je vais mettre le papier dans l'autre sens. Donc, je colle bien à ras. Et voilà. Donc voilà, et ça se ferme, voilà, comme ceci. Voilà, maintenant on y met. J'ai oublié de mettre l'étiquette à l'intérieur. Vous me croyez ça? Alors l'étiquette, je vais faire comme je fais souvent. J'en ai fait une de la couleur que j'ai mis du papier en dessous, le papier. Le papier bleu là. Et je décale légèrement l'étiquette pour faire une. C'est qu'il y avait deux étiquettes sur l'autre. Voilà, tout simplement. Je ne mets rien en hauteur. Je n'ai pas de 3D, rien du tout. Hein. Sur la carte, je mettrai peut-être. J'ai bien peut-être, je sais pas. Petite perle ou deux quand même, parce que. Hop, faut que ça soit bien mis. Voilà. Et voilà. Comme ceci l'étiquette. Et je vais la mettre comme là. Ouais, comme ça. Du coup, on referme. Hop, c'est là. On met le petit support. Alors je pense que ouais, j'essaierai de voir après si on peut le coller comme il faut. Donc je vais peut-être faire comme ça, comme ça, avec l'étiquette dessus. Donc il faut que je sache où je m'arrête. Donc ici. Voilà, j'ai mis un petit point. Donc à peu près là. Hop. Donc comme dans le vent. Ah, ça bouge un petit peu. Bon. Je vais faire comme ça. Donc ça se prête un peu. Hein. Donc je ne vais pas trop serrer. Ah. Et je vais coller ceci. Voilà, comme ça. Je colle vers un léger trait comme ça. Hop. Voilà, ma carte est terminée. Je vais pas en faire plus. Le papier, ça suffit à lui-même, je trouve. Hein. Il est assez chargé au niveau couleur. Donc là, on peut l'enlever très facilement. On ouvre. Et ici, on mettra notre message, nos messages, nos souhaits avec mon mari et mes enfants. Voilà. Petite tâche là. C'est pas grave. Donc, voilà. La carte toute faite pour Pépi. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.